Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je me suis mise ici parce qu'il fait tellement moche que là, j'essaie d'avoir un max de lumière. D'abord, je m'excuse pour ce vlog un petit peu décousu parce que cette semaine, ça a été hyper chill. Ça m'a fait beaucoup de bien. Profiter ce week-end, il faisait beau parce qu'on savait que cette semaine, il allait faire moche. Cette semaine, j'ai vu la famille, donc ça, c'est cool puisque toutes les personnes à risque ou plus âgées sont maintenant vaccinées. Yay! Et bientôt nous aussi. Yay! Pouvoir reprendre une vie normale. Ça va être cool. Voilà. Bon, il fait quand même moche. Mais du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu. En fait, j'ai deux choses à vous montrer. La première, c'est une nouveauté lecture. Ça s'appelle Mini Fleurs du jardinier promeneur. C'est un petit bouquin que j'ai acheté sur la recommandation d'une d'entre vous sur Instagram et je me souviens plus du nom de la personne. J'arrive plus à retrouver les messages, c'est vraiment compliqué les messages sur Instagram, je trouve. Bref, elle m'a envoyé ce titre et du coup, je suis allée regarder un petit peu sur internet. Je me suis dit, ouais, là, il va me plaire beaucoup. Donc, c'est un petit format qui vient des éditions Une Mère et qui a été écrit par Marine Crécy. C'est en fait un genre. Alors, c'est un petit format parce qu'en fait, l'idée, c'est de l'avoir avec soi quand on est en train de se promener. Jardinier, promeneur. Et en fait, il s'agit d'un recueil un peu de croquis de différentes fleurs pour apprendre à les reconnaître. Et ça, c'est trop trop cool. Et en fait, donc déjà, j'adore. Alors, j'aurais aimé que ce soit plus grand pour pouvoir le lire confortablement sur mon canapé, mais c'est vrai que quand il fera moins moche, aller se promener avec pour reconnaître les fleurs, c'est vraiment. Je trouve que c'est un super concept. Donc, c'est pas mal, effectivement, pour l'avoir dans son sac à dos ou son sac à main si vous avez un sac à main. Et en fait, alors comment ça marche? C'est répertorié en différentes saisons. Donc, je sais pas, vous vous baladez au printemps et vous trouvez une fleur jaune. Vous allez à la page printemps et là, tout est référencé ensuite sous forme de couleur. Donc, je sais pas, voilà, moi c'est bleu, mais voilà, tiens, je me balade, c'est le printemps. Je tombe sur une jolie fleur jaune. Hop là. Et je vais à la page du coup du jaune au printemps et j'essaye de matcher en fait la fleur pour essayer d'apprendre son nom. Donc il y en a pas mal. Hein. Là forcément je suis sur la case du printemps, il y en a pas mal. Mais en hiver il y a aussi pas mal de choses à explorer. Il y a aussi, elle donne des renseignements sur tous les types d'écorces, tous les types de petits fruits, etc. Et des baies qu'on peut trouver aussi en hiver. Et ça c'est vraiment cool. Et puis il y a des petites anecdotes entre chaque saison, notamment sur la façon. Enfin, des petites anecdotes liées à la botanique. Elle a fait des études en fait en école paysagiste, donc elle raconte un petit peu des anecdotes. Qu'est-ce qu'elle a appris à l'école? Qu'est-ce qu'elle a appris dans les bouquins? Qu'est-ce qu'elle a appris chez les pépiniéristes? Et qu'est-ce qu'elle a appris en se promenant, en se baladant? Donc il y a en plus des petites anecdotes, des choses à lire. Il y a des petits croquis aussi qui sont dessinés avec des petites anecdotes. Et pour reconnaître chaque fleur ou chaque plante, vous avez aussi des petites anecdotes sur la plante, soit des petits conseils de culture, soit à l'inverse, une petite anecdote. J'ai appris dans le livre que les camélias, elles sont appelées aussi les fleurs du samouraï, parce qu'en fait, effectivement, quand la fleur du camélia tombe, elle tombe en entier, comme s'il y avait un samouraï qui était passé et qui lui avait enlevé entièrement la fleur, alors que souvent les fleurs tombent pétales une par une, etc. Ben voilà, c'est des petites choses comme ça avec des jolies anecdotes. Et j'adore, voilà, moi j'adore tout ce qui est, j'adore les illustrations, vous me connaissez maintenant si vous suivez la chaîne. Donc déjà, les illustrations sont magnifiques, j'adore ça. Et en plus, j'adore le concept. Quand j'ai reçu ça, je me disais, il est petit et tout. Et en fait, dès qu'il refait beau, je l'aurai toujours avec moi pour aller apprendre de nouveaux noms de fleurs. Ouais, vraiment, non mais magnifique ce bouquin, quoi. Bref. Donc voilà mon petit coup de cœur lecture green de ce vlog de cette semaine. Je sais pas si je fais une sélection lecture à chaque vlog. J'essaye parce que je me dis que c'est sympa. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment lire et qui aiment les livres liés aux plantes. Mais voilà ma petite sélection de cette semaine. Donc je remercie encore mon abonnée qui m'a envoyé, elle m'avait envoyé une capture d'écran, enfin une photo du livre qu'elle est en train de lire. Et voilà, merci beaucoup. Deuxième chose, deuxième petite update que je voulais faire aujourd'hui, c'est mon verrucosum. En fait, quand j'ai parlé de mon verrucosum dans ma vidéo tag un petit peu de nouilles, j'ai eu beaucoup de questions sur son entretien parce qu'effectivement, il va bien, il grandit bien. J'ai dû lui-même mettre un nouveau tuteur et on m'a demandé des conseils d'entretien parce que c'est vrai que le dernier, je sais pas si vous vous souvenez, je suis en train de faire du bouturage de tronçon pour l'ancien parce qu'il avait été chopé par les acariens et que j'ai rien pu faire pour le sauver. Enfin, je me suis mal prise aussi et je suis en train de le refaire démarrer là, voilà, ces boutures. Et celui-là va super bien. Celui-là, il vient du site Plante, enfin Plante, il n'y a plus le A maintenant. Ancien site online Baby Plante. En fait, pour l'entretenir maintenant, ce que je fais, c'est. Alors, j'ai de la chance, déjà, il n'a pas d'acariens. Parce qu'effectivement, des fois, il n'y en a pas de chance aussi. Hein.
Et ce que je fais, c'est que je le douche. Souvent, ces petites feuilles au toucher velours comme ça, j'essaye. Avant, je n'osais vraiment pas mettre de l'eau dessus. Et je vaporise pas, par contre, parce que j'ai peur que ça reste trop. Mais quand je vais l'arroser, je douche tout. Comme ça, je me dis que ça. En fait, ça décourage les acariens et même pas mal d'autres types de nuisibles, à part les moucherons. Les moucherons, eux, ils aiment bien l'humidité stagnante dans le terreau. Mais là, je m'intéresse vraiment aux feuilles. Je vais voilà tout arroser et je passe un petit peu de savon noir, un spray au savon noir. Alors là, je le fais une fois toutes les 2 semaines. Donc en ce moment, c'est tous les 2 arrosages. Parce qu'il est proche de la fenêtre maintenant. Donc il fait plus chaud à cet endroit-là. Voilà comment je pense que j'arrive à le maintenir sans acarien. Mais je l'aime vraiment, c'est le plantain, c'est magnifique. J'aime beaucoup le Verrucosum et le Gloriosum aussi, je vous en ai parlé. Il est sur ma wishlist, bah, j'en parlais d'ailleurs à Joanne. Ouais, je suis vraiment contente, il est vraiment beau. Du coup, j'ai dû lui mettre un nouveau tuteur et puis je lui ai mis un joli pot parce que je trouve que vraiment le contraste. Ces petites feuilles-là, elles avaient été abîmées dans le transport, hein, simplement. Mais ça ne me dérange pas du tout. Du coup, je lui ai mis un joli pot parce que je trouve que ce pot-là, il vient du Sœur Graine. Je trouve que ça fait vraiment voilà, un beau contraste. Je regrette de l'avoir mis sur cette étagère-là-bas parce qu'on le voit un peu moins. Mais là, maintenant, je commence à avoir des soucis de place et d'aménagement avec notamment les plantes que je veux mettre en dehors de portée de Louis pour le moment. Et là-bas, c'est vrai qu'elle a quand même de la chaleur et du soleil indirect, de la lumière en fait, beaucoup de lumière à l'est le matin. Donc je pense qu'elle est contente aussi. Voilà. Après, je la surveille quand même pas mal. Vraiment, ces plantes au toucher velouté quand même, je les surveille de près. C'est jamais. J'ai pas envie d'avoir. Là, typiquement, une attaque de trips là-dessus ou comme la dernière fois, une attaque d'acariens. C'est casse-pied quoi. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir, je trouve, sur ce genre de plantes. Donc voilà pour mon petit conseil. Sinon, aujourd'hui, je suis à la recherche de pots. Vous savez, les pots Hello là qui se mettent entre les deux barres parce que j'ai plein de petites fleurs à planter. Et j'aimerais investir mon rebord de fenêtre de la cuisine. Donc on verra si j'ai de la chance ou pas, si ma petite quincaillerie a fait le pont ou pas. Ce que je lui souhaite, hein, je lui souhaite d'avoir fait le pont de l'ascension, mais si c'est pas le cas, je vais pouvoir aller voir, mesurer avec mon maître, savoir si ça marcherait. Parce que j'aimerais bien voilà, investir la petite fenêtre de ma cuisine maintenant qu'elle est plus bloquée par la table, parce que j'ai mon bureau, je peux l'ouvrir plus aisément. Et ouais, j'ai plein de petites fleurs à planter. Et du coup, ils ont mis des petits butonnieux comme ça là, qu'on met en dessous, qu'on règle pour caler en fait le pot pour pas qu'il se casse la figure. Ça c'est super, parce que moi je pensais faire le tour avec des serflex. Du coup, ça me règle le problème. Je vais faire un petit mix de tomates universelles et du terreau balcon terrasse fleurie. Voilà, il y a de l'engrais dans les deux, et ça c'est pas mal pour les plantes fleuries. L'an passé, les œillets et les lobélias en plein cagnard d'après-midi, ils ont eu vraiment chaud. Donc cette année, je pense qu'ils seront contents avec le soleil simplement du matin. Enfin, en été, c'est jusqu'à 14h, mais je pense que ça ira. On ne va pas oublier de les arroser. Les pétunias, ils avaient survécu au soleil sans souci. Je vais faire que des pétunias ici, je pense. Parce que l'arrosage, je pense que je pourrais être un peu moins constante. Et c'est la première fois que je plante du fuchsia. Si ça fonctionne, c'est vraiment magnifique. Donc là, je pense que je vais mettre dans le gros pot, on verra. Et la verveine cascade, l'année dernière, ornementale, elle avait eu chaud aussi. Donc voilà, il va falloir que je fasse attention aux arrosages. Mais elle aura le soleil là que le matin. Donc voilà, j'ai mis les lobélias là, les œillets, les fuchsias, la verveine qui va cascader du coup. Hein. Je vais peut-être le mettre sur le côté là, que je la vois bien. Et la sauge bicolore ici. Pareil, la sauge, c'est la première fois que j'en plante. Dites-moi si vous avez des conseils. Une abonnée qui me dit toujours Marion, jardine sur une table, ça te fera moins mal au dos. Bah, je le confirme, hein, je prends jamais le temps d'installer, mais c'est bien mieux.